trying to feel my vibe right now, feel myself. Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Salut à tous les amis de Cosurto pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo un peu spéciale. Donc là on va présenter un mod. Donc en fait c'est une machine qui permet de faire des filets. Donc là comme vous pouvez voir, donc là on est sur les patates, betteraves. Elle fait des packs, des bouteilles de lait. Elle enrubane, elle presse. En fait on met de l'herbe dedans et elle va presser. Donc du coup je vous montrerai un petit peu à la fin. Du coup je vous ferai un petit montage. Du coup je vous montrerai un peu le reste des options. Donc là pour cette vidéo là, donc là on va faire les patates. Du coup on va faire les patates, on va faire un peu d'herbe, vous allez voir, on va faire un petit mélange, on va tester la machine en fait. Donc du coup dans le magasin, donc ça se trouve dans divers, et donc du coup c'est celle-là. Palette, filet, système. Donc en fait patates, betteraves, bouteilles de lait, semences, engrais, là c'est pour les aliments des cochons. Ça je ne sais pas trop. Si c'est, ouais non c'est ensilage, paille, herbe. Un silage d'herbe, fumier, soja. Donc ça je sais pas trop, c'est un... Je sais pas c'est quoi ce dessin, je sais pas quoi ça représente. Mais voilà, donc là on va commencer en premier donc par les patates. Donc là je vais vous montrer, donc là regardez. On va pas en mettre beaucoup, on va mettre qu'un godet. Je vais vous montrer aussi après avec l'herbe. Donc le lait, voilà, donc du coup faut avoir un camion et tout. Faut avoir un camion. Et donc du coup on pourra faire tout ça. Donc là on vide tout doucement hein, parce que sinon... Voilà, donc là, tac, donc là, on a mis le godet. Donc, la machine, on met exactement 16 000 pile-poil. Donc là, regardez, je suis avec 6 000, donc je suis à 37%. Donc là, après, tu fais I, H, et ben voilà, le moment où ça ne marche jamais. Ah non, c'est vrai, je l'avais pas activé. I, voilà. C'est bon, j'ai rien dit. C'est bon. Attendez, on va voir si ça marche. Normalement, c'est ça. Hein. Allez. Oh, qu'est-ce que tu fous? Voilà. C'est bon, j'avais oublié de rappuyer souris. Donc voilà, donc là c'est bon. Donc là, regardez, ça descend. Et donc là, on voit les palettes qui montent. Donc là, regardez, donc là j'ai allumé les gyrophares. On peut bien sûr les éteindre. Donc là, il y a un petit bouton vert. Le petit LED vert qui clignote, c'est vraiment, elle est vraiment super bien animée. Donc là regardez, on peut même lui activer les phares et les clignotants. Donc cette machine est fonctionnelle, elle ne roule pas mais donc après à perdre l'essence hein, regardez hein, donc déjà il y a déjà 0,3 heures. Donc en fait du coup là, donc là vous voyez ça se remplit, donc ça s'allume en vert. Donc il y a le petit LED qui tourne en vert pour dire que ça se remplit. Et là regardez, ça va s'allumer en rouge. Et normalement ça doit la pousser, à moins qu'on est vide. Et ben non, on n'est pas vide. Donc, ça bug. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc là en rouge, donc du coup, donc ça pousse, donc ça veut dire que ça pousse, donc du coup, ça doit être pour s'écarter, je sais pas. Donc ça s'allume rouge. Et donc là, après, ça revient, vous allez voir. Tac. Et normalement, ça doit encore... Donc là, tac. Voilà. Donc là, on appuie sur I et on repart. Donc là ça refait la même chose, donc là ça se rallume en vert et donc du coup ça marche. Donc là regardez aussi, on a le petit bonhomme. Donc je vous mettrai bien sûr le lien donc sur mon site. Donc de ce... Bah celui-là je le mettrai directement dans la description, mais je le remettrai sur mon site après. Ceux qui ne l'ont pas pris aussitôt, du coup je le mettrai en lien de description. Parce que du coup, non je le mettrai directement sur mon site. Voilà, donc je vais le mettre aussitôt sur mon site. Et donc du coup vous pourrez le télécharger et bien sûr voilà, donc là regardez ça pousse, c'est vraiment excellent. Donc nous du coup hop, donc là quand tu descends de ce côté là, donc ça c'est cette petite porte là qui se ferme. Et donc nous du coup on va aller chercher de l'herbe. Par contre l'herbe j'ai pas encore testé hein. Donc je ne sais pas. Hop. Voilà. Voilà, donc là on va faire un godet d'herbe. On va ranger aussi vite fait les palettes avant parce que sinon ça va être le bordel.
Oh. Voilà. Tac. Donc là, on va prendre les palettes. Voilà. Hop. Donc là, on va les mettre vite fait sur le plateau. Sur le plateau. Tac. Hop. Donc, hop, on va mettre ça là-dessus. Voilà. Hop. Wow. Wow, bah c'est envolé. Ah bah bordel. Hop, donc là, on va vite fait les ranger sur le plateau. Tac. Voilà, nickel. Ah, donc il y a celle-ci du dessous, par contre, qui est. Va falloir la pousser en fait. Avec la machine. Ouais. Donc là, je suis coincé dans la machine, pardon. Voilà. Nickel. Bon, attendez. Donc celui-là, on va le remettre droit. Voilà. Voilà. Hop, donc là, tac, c'est incroyable. Hop. Tac, donc là, on va l'activer le tracteur. C'est parti. Hop, donc là, on passe là. Tac. Tac. Donc là, on va mettre de l'herbe. Excusez-moi pour ce petit moment. Hop, je le couperai au montage. Tac. Voilà. Hop. Donc là, on met l'herbe. Donc, avec l'herbe, donc on va voir ce que ça va donner. Tac. Alors, donc, est-ce qu'on fait la même manipulation ou pas? Donc là, on l'active, bien sûr. On fait I. Donc là, on l'ouvre. Non. Mais non. Je suis con. Je l'ai poussé. Ok, d'accord. Non, c'est vraiment excellent en fait. En fait, ça fait des bottes comme ça. Ok. Ok, donc les bottes font tant de poids en fait. Donc du coup là, cela doit faire. Donc tu mets 4000, donc ouais, c'est comme d'hab. Pardon, donc c'est comme d'hab. Donc là, regardez, c'est bon, c'est ça normalement. Donc là, ouais, donc là, du coup, ça va faire. Ça va pas être bon parce que du coup, on est vide. Tac, voilà. Donc là, on la pousse, hein. On la pousse en même temps, on pousse la palette. Ah ouais, donc en fait, on peut vraiment tout faire. Donc là, du coup, on va essayer vite fait en vidéo, du coup, le soja. On va tout faire, on va essayer un petit peu le soja. Donc, tac, donc du soja. Donc là, on va chercher un tracteur. Voilà. Un tracteur. Attendez. Ouais. Hop, là, pardon. Moi, je suis en train de prendre un tracteur alors qu'il y avait déjà, il y en a un déjà là. Oh là 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 là. Il y a déjà le fen. Tac. Tac. Hop. Donc là, on va prendre ce tracteur là. Et du coup, on va essayer avec le soja. Donc, du coup, pour tester avec du lait sac, par contre, il faut avoir. Orge, colza, soja. On en a. Voilà, donc là on va prendre, on a pris 8000, donc on va tout mettre, on va mettre tout dedans. On va faire un tas. Hop, là du coup, tac. Parce que je crois que ouais, ça vide pas dedans. Avec la benne, ça va pas vider dedans.
Ok, donc là, tac. Hop, on descend. Take. Hop. Voilà. Okay. Ok, donc là c'est bon, on a pris un godet. Donc là on a des bottes de foin. Des bottes de foin, ouais, des bottes de foin. Des bottes d'herbe plutôt, parce que là le foin, non. Ah, en fait ça va être si on fan et tout, ça va faire des bottes de foin. En fait cette machine elle est vraiment nickel. Hein. Donc là on va en mettre plus dedans. On va tout mettre parce que du coup on a tout sorti, hein, le soja. Donc du coup ça sera le lait. Ça sera le seul truc que j'aurais pas testé encore. Et donc du coup il faudrait qu'on fasse un camion qui prend le lait et du coup on le testerait. Attendez, on va racler le sol comme ça. Hop. Tac. Allez, hop. Donc du coup on va vider ce petit godet là, on va essayer avec le soja, puis du coup on se laissera sur ce petit truc. Mais c'est vraiment pas mal en fait cette machine. Donc là. Ah d'accord en fait. Ça fait un sac. Donc là, elle est activée déjà. On fait quoi de ce sac? On le pousse? Oh, on le pousse. Ok, donc en fait ça fait des sacs de soja. Donc je pense que ça va être pour les cochons. Ok, donc c'est ça. Donc en fait ça fait des sacs, mais pour les cochons. Ah ouais, c'est vraiment pratique, hein. Et est-ce que du coup, ah, ça se trouve pour semer. Donc du coup, ceux qui veulent ressemer du soja et tout. Mais je pense que ça va être plutôt pour les cochons. Ou je sais pas. Faudra trouver, mais à quoi ça peut servir les big bags que ça fait. Mais je pense que ça va être plutôt pour les cochons. Donc là, je pense qu'on en met pas mal dans un big bag. Donc là, il y en a un plein. Donc du coup, on le pousse. Toc, on pousse tout d'un coup. Hop, on fait revenir. Toc, donc là, c'est vraiment pas mal. Et hop! Oh, bordel. Alors, qu'est-ce qui ne va pas encore? Activer. C'est bon. On a réussi. On a retrouvé. Donc là, on va remplir ce dernier big bag. Bon, du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit mod. Donc, il sera sur le site. Donc, il sera en description. Donc, vous aurez juste à regarder et vous le trouverez. Donc, du coup, moi, j'espère que voilà. Donc, du coup, ça vous aura vraiment plu. Je vous aurai un peu tout montré. Les filets de patates, le soja, l'herbe pour les bottes d'herbe, et du coup, bah, il y a les betteraves, c'est la même chose. Donc, du coup, c'est la même chose. Donc, du coup, j'en avais pas là. Donc, du coup, c'est la même chose. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!